Bonsoir à tous. Précédemment, dans nos dernières aventures, une soirée avait eu lieu au château du prince. Et je me suis donc retrouvée avec deux jeunes hommes qui n'étaient pas indifférents à mon charme. Et cela a permis à Saiden et à Yara d'aller chercher la recette du fameux Sea Cake. Pendant que je distribuais ces jeunes hommes, Saiden et Yara ont pu récupérer la recette. Mais à peine je fus sortie pour partir avec Heisenberg, qui m'ont rattrapé par le bras et finalement ils m'ont convaincu de rester toute la journée du lendemain avec eux pour visiter le quartier, soi-disant. À vrai dire, la seule pièce que j'ai eu l'occasion de voir fut la chambre. Mais ça, c'est une autre histoire. Le lendemain, j'ai pu enfin rejoindre mes compagnons et nous sommes retrouvés enfin tous ensemble, Saiden, Heisenberg, 19 et moi-même. Apparemment, Yara était repartie en voyage, grand bien lui fasse. J'ai finalement appris qu'une menace de mort planait au-dessus de la tête de mes amis. Le faux prince Petrov a lancé la guilde des assassins à leur trousse et nous avons donc essayé d'échafauder un plan pour compromettre son plan. Apparemment, les plaintes d'une ambassadrice appelant à l'aide à sa porte n'ont pas suffi pour que je puisse y entrer. Mais un assassin qui nous suivait a fait du bruit, pas très discret, ça ne devait pas être le métier de ses rêves. Mais il partit et nous l'avons suivi jusqu'à la guilde qui était abritée par le comte paranoïaque Van Driska. Grâce au père de la petite fille que nous avons soignée, nous avons réussi à entrer à l'intérieur de la bâtisse et une énigme à l'intérieur du hall nous attendait. Le code était As-As-1. En plus d'être pas très futé, ils n'étaient pas très discrets. Peut-être que le danger n'était pas aussi grand que je pensais. Nous sommes rentrés à l'intérieur et un combat a éclaté entre le maître de la guilde et nous. Saiden fut blessé, mais tout est allé si vite que j'ai seulement eu le temps de lui mettre un coup de pied bien placé. À vrai dire, le combat n'est pas tellement ma tasse de thé. Après avoir défait le maître de la guilde, nous l'avons poignardé avec la dague qui nous avait été donnée par le prince et un tourbillon de sang mélangé au fer de la dague a transformé l'homme en une sorte d'esclave du prince. Il nous a dit qu'il était au service du prince et nous l'avons donc amené jusqu'au prince. Et il a dit qu'il était au service du prince jusqu'à sa mort. J'ai pas très, très bien compris ce qui s'est passé, mais apparemment, il s'agirait d'un tulpa, donc un serviteur du dieu ennemi que nous avons créé. J'ai essayé d'en parler à 19, mais apparemment, elle ne veut pas qu'on sache que c'est la seule personne à pouvoir les tuer. Et le prince, apparemment, n'avait pas l'air très choqué par la nouvelle. Mais bref, nous sommes rentrés chez Heisenberg et nous avons appris que le cousin d'Heisenberg avait eu des problèmes avec une mine à l'extérieur de Knika. Donc nous sommes partis en calèche. Enfin, c'est une sorte de voiture, enfin de machine qui roule toute seule. Sur la route, nous avons croisé des dolmens. Et Saiden et Heisenberg ont décidé d'y entrer, mais moi je suis restée à l'extérieur. Et lorsqu'ils sont entrés, une énorme paroi transparente les a recouverts et je ne les entendais plus et je ne les voyais pratiquement plus. Je ne sais pas exactement je n'ai pas très bien compris ce qui s'était passé à l'intérieur. Mais ils ont fini par ressortir au bout de quelques temps, donc nous sommes repartis. Arrivé à la mine, j'ai constaté l'horreur de l'esclavage. Le peuple de Panuti
Donc les descendants des du pays Nok, des habitants du pays Nok, se faisaient esclavager par le cousin d'Heisenberg. Moi-même ayant un passé assez violent, je n'ai pas pu rester indifférente. Et nous sommes entrés à l'intérieur de la mine pour comprendre ce qui se passait. Et apparemment, le cousin d'Heisenberg, tout était normal pour lui. Il ne voulait pas travailler, donc il a fini par les esclavager. Nous sommes donc pris d'espoir pour le peuple, et nous leur avons demandé ce qui s'était passé. Mais le problème, c'est que la communication était assez difficile. Ils parlaient par signes ou par fumée. Donc ils nous ont emmenés jusqu'à leur chef, qui nous a fait voir une vision d'une femme qui entrait dans la forêt, qui marchait sur des lions et qui entrait au sein d'un arbre. Elle nous expliqua que leur princesse, en fait, était partie et qu'elle avait disparu et que c'est pour ça qu'ils ne voulaient plus travailler. Donc nous avons donc décidé de les aider, et nous sommes partis vers cette forêt. Arrivé à l'orée de la forêt, je me suis fait mordre par un serpent. J'ai commencé à sentir mon bras brûler et saigner. Mais heureusement, Heisenberg a pu me soigner grâce à un autre serpent que nous avons attrapé, et nous avons pu faire un antidote. Après ces péripéties, nous avons traversé la forêt. Et nous sommes tombés devant un géant de pierre qui nous barrait la route. Et il nous a posé une question. À quelle question vous ne pouvez pas répondre franchement par oui? Bon, du coup, on s'est posé beaucoup de questions entre nous, et nous avons fini par poser des questions impossibles, du genre est-ce que dans le futur tout se passera bien, ou voilà, des choses qui concernaient le futur par lesquelles nous ne pouvions pas répondre oui. Nous sommes passés et nous sommes arrivés donc tous ensemble devant cet grand arbre, et nous nous sommes arrêtés là, je crois bien. Vous êtes arrivé à la concession 13, vous êtes parti dans la forêt. La seule chose que tu as oublié, Rebecca, c'est que vous avez vu sur un des dolmens une grande fresque vous expliquant que, effectivement, tous les 500 ans, l'arbre-cœur doit être régénéré en fusionnant avec une princesse Panotti. Et que si ce rituel ne s'accomplissait pas, la forêt ne serait pas régénérée. Oui, du coup, toutes les forêts du continent Voilà. mouraient. Parce que l'arbre-cœur alimente en fait toutes les forêts Aria. De ce qui est marqué sur le domaine. Et bien sûr, 19 a été avec vous pendant tout ce temps. Mais elle devait être tracassée par plein de choses parce qu'elle a du mal quand même à tout comprendre ce qu'elle fout dans cette forêt. Donc, vous aviez continué votre chemin et au loin, vous aviez vu une tour de bois construite en colimaçon autour. Non. Une tour de bois construite en colimaçon, oui, au-dessus d'un grand arbre. Et après encore quelques heures de marche, vous arrivez enfin en vue du gué du Midi, la plus méridionale de toutes les constructions d'Aria, juchée au sommet d'un arbre millénaire. À sa base, une personne que vous ne connaissez que trop bien vous attend. Je vais vous Ah montrer non, pas encore cette lui. personne. Encore lui, tout de suite. Non. Bah moi je le connais pas, mais putain. D'ailleurs, je vous remets à Il est pas Voilà. mort en plus, putain. Il crève jamais sûr. Cette dame. Oh! Oh! Comment elle s'appelle? Ça? Oh, c'est Ça? pire! Non, elle s'appelle Ask. Elle Ah, vous moi je le connais dit: pas. Bienvenue, je vous attendais. Ça m'étonnerait. Mais si, je savais que vous alliez venir.
Vous venez sauver la princesse Panotti, n'est-ce pas? Eh ben, pas sûr, vu ce qu'on a vu sur la... Enfin, je sais pas, moi, les amis, je... Ben, je sais pas, c'est qui, cette femme? Cette femme, c'est... C'est une personne malveillante. Ah bon? Comme vous y allez, ma chère 19, je n'ai pas... de mauvaises intentions. La preuve, je voudrais sauver cette pauvre princesse. Non, pour quelle raison? Quelle arme ayant tué un roi vous intéresse en sauvant cette princesse que vous pourriez obtenir? Elle n'a pas d'arme qui a tué un roi, c'est juste par pur altruisme. Je ne vois pas pourquoi une femme devrait se sacrifier pour cet arbre. Vous cherchez des armes qui ont tué des rois? Ah, en fait, vous voulez pas que les forêts se régénèrent, c'est ça? Je voudrais sauver cette femme. Bon, oui. Bah, elle est de notre côté, pourquoi elle serait méchante? N'êtes-vous pas des... Mais non. Elle veut pas que cette jeune femme régénère la forêt. Ouais, c'est vrai. Mais bon, au moins, elle veut sauver la jeune fille. Ah oui, mais bon. Écoutez, votre ami, c'est la voix de la raison. Pourquoi on ne s'entraiderait pas pour... Ah non, moi je vous aide plus. Hein. La dernière fois qu'on vous a aidé, on a fini dans un trou. On va avoir un problème quand même. Et puis vous m'avez déjà menacé, ça suffit. Si la forêt se dépérit, ma chère, ça va être problématique, non? Eh bien écoutez, pourquoi... si la forêt dépérit... Déjà, vous avez du mal à comprendre la légende. C'est pas vraiment qu'elle dépérit. Donc... pendant 500 ans, ça sera à l'automne. Pas mal l'automne. Ouais, 500 ans de champignons, c'est vrai que c'est cool, mais... Je l'aime pas. J'y crois moyen quand même à cette histoire. Est-ce que moi je suis au courant pour les armes des... Non. Pas moi que les autres en aient parlé, pour l'instant non. Non mais est-ce que je suis déjà au courant de à quoi elles servent? Non, non. Genre... Ok. Bon, ça c'est un truc que seuls les protecteurs savent. Donc, alors, est-ce qu'on s'entraide ou... En quoi on aura besoin de vous? Eh bien, est-ce que vous savez par quoi est entraînée cette jeune femme? Non, pas sûrement par l'arbre. On va le voir. Et non, c'est bien ce que je dis, vous ne savez rien, vous avez besoin de moi. Figurez-vous... Elle est emprisonnée par des spectres. Êtes-vous capable de combattre des spectres? Oui. Alors combattre déjà? Non. En plus, si vous m'aidez, apprendrai une capacité qui vous sera très utile. Laquelle? Traverser les forêts. Exactement. Bien joué. Non, mais je... Oh, d'ailleurs, où est votre amie, celle à qui j'avais appris ce petit tour? Non, elle met pas le couteau dans la plaie. Elle est décédée. Ah, vous m'envoyez fort, fort triste, je l'aimais bien. Il est où votre ami Onyxfen? Vous travaillez plus avec lui? Onyxfen? Non, on a travaillé une fois ensemble, mais c'est fini depuis. Non. Bon, je compte sur vous ou pas? Non. Eh bien, très bien. Débrouillez-vous. Mais ah... Très bien. Je sais que vous avez récupéré la cuillère, mais... Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres tours dans ma manche. Et vous la voyez qui se... Elle se décompose, mais elle se transforme en une nuée de corbeaux qui s'éparpillent. Que faites-vous? Vous êtes là, alors... Vous êtes devant un arbre. Sur cet arbre, il y a un escalier en colimaçon et une tour de guet tout en haut. Mais de là où vous êtes, vous êtes déjà un peu en hauteur. Et il vous semble apercevoir un arbre encore beaucoup plus grand que celui-là, loin. Ok. Il faut qu'on aille parlementer avec l'arbre, non? Enfin, l'entité de l'arbre.
C'est con qu'on n'aurait pas pris la vieille avec nous, parce que ça se trouve, c'est une prêtresse et on aurait pu l'échanger. Non, mais c'est pas une prêtresse, et elle sert le dieu ennemi, cette bête folle. Elle est dangereuse. Oh. C'est une tulpa. Oh non, c'est pire que ça. Je sais pas ce qu'elle est. C'est une vieille chouette, surtout. C'est une sorcière. Et ça, j'ai vu. Elle essaye de fabriquer une arme qui pourrait tuer le dieu exilé. Ah, faites attention, parce que parfois elle apparaît dans vos rêves aussi. Ouais. Et quelquefois elle apparaît à votre réveil aussi. Comme elle là, est du coup. Très dangereuse. Il faut s'en méfier. Et pour moi, enfin, si déjà elle veut pas que la jeune fille se sacrifie à l'arbre, c'est évident qu'il faut que la jeune fille se sacrifie à l'arbre. J'aime ta façon de raisonner, 19. C'est pas voilà. Binaire, mais ça me rappelle les engrenages un peu, c'est ça. Mais le peuple panotti, il va perdre sa princesse. Sinon A, donc B. Le peuple panotti, je pense que... surtout, je pense, oublier pourquoi sa princesse est venue et faut se sacrifier à cet arbre. Je pense que la princesse, si elle est venue ici, c'est pour effectuer son rituel. Ouais. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a une autre solution. Faudrait aller voir. Ah, ça, peut-être. Mais dans tous les cas, il faut que la forêt se régénère. Deux de cousins. Ah, ça, c'est pas bête. Je... Échanger une princesse contre un cousin. Ça reste une vie. On lui fait deux traces, on le baptise, ça passera. Pas sûr. Enfin, de toute façon, à propos, vous savez comment on tue des spectres? Très bonne question. Est-ce que je sais? Sûrement pas. Mais je trouve bizarre. Non. Elle semble. De voir votre inventivité, vous avez des armes. Des armes? Ah oui, d'ailleurs, 19, tu n'étais pas là la dernière fois. Tu es tellement loin du cristal de Kniga que. C'est ce que j'allais te demander parce qu'elle a fait de la magie. Oui, tes cartes démangent. Ah! Parce que c'est ce que j'allais te. Alors, on a peut-être une solution contre les spectres, mais c'est assez aléatoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai pas simplement deux superbes mains. Je peux sortir quelques cartes magiques. Mais bon. Cartes. Donc que faites-vous? Vous allez voir le guet? Vous continuez vers l'arbre? Allons voir le guet. Oui, peut-être d'abord. Alors, vous montez à l'arbre. Et vous vous retrouvez très très haut. Effectivement, vous voyez toujours un peu plus loin un arbre gigantesque. Il est plus grand que la cité de Kniga tout entière. Pour l'instant, vous voyez pas vraiment les détails de ce qu'il y a en dessous. Et il y a une petite cabane en bois dont la porte est fermée. À clé, je précise. C'est pas juste fermé et vous ouvrez la porte, ça marche. Elle est fermée à clé. On peut toquer. On peut toquer. Pas de réponse. Non, moi je toque. Ça n'a pas l'air d'être le genre d'arbre avec qui il faut déconner. Peut-être crocheter la serrure, je sais pas. Il y a personne autour? Ah non, là, il y a personne. Oui, donc ça appartenait sûrement à quelqu'un. Quand on toque, il y a personne qui répond. Non. La porte est fermée à clé? Oui. Elle a l'air ancienne, la porte, enfin, ça fait longtemps qu'elle est fermée. Ah oui, ça a l'air d'être très vieux, comme je vous ai dit, c'est la première construction. Enfin, c'est la construction la plus au sud, toute construction humaine. Et c'est une des premières qui a été construite par les colons de Kniga. Ok, ouais, donc il n'y a personne, quoi. Tu peux y aller. Mais attends, c'est une mini-cabane, c'est pas un truc... Non, non, mais c'est quand même une construction humaine. C'est pas un truc de fou, hein. C'est juste une sorte de guet pour voir surveiller les terres sauvages encore plus loin. Bah on va l'ouvrir cette porte, non? Ouais, il faudrait l'accrocher. On regarde un petit peu. Ah, beaucoup sur cette porte pourrie, là. Soit un jet de force, soit un jet de serrure et piège.
Est-ce que j'ai un bonus si j'utilise mes deux grosses mains? En quoi? Bah en force, hein, bah en crochetage. Il me semble qu'on avait dit que t'avais un bonus pour juste la force, oui. Donc 10. Ouais, moi je veux bien tenter. Bah comme vous voulez, ma chère. Moi je m'apprêtais à... 10. À faire en 10 heures, mais... Bon, ah, tu tapes, mais n'importe quoi. J'aurais essayé de crocheter. Elle a beau être vermoulue, elle résiste. Mes stats, j'ai pas plus haut de 70 partout, alors... Je peux essayer de l'accrocher, du coup. Vas-y, vas-y. Ouais. Ah. Aïe, aïe, aïe. Tu t'essayes de l'accrocher, et malheureusement, tu casses tes outils là-dedans. C'est une porte vraiment... Tu vas me choisir, vu que tu n'as pas d'outil de crochetage, tu vas me choisir avec quoi tu étais en train de faire ça dans ton inventaire. Soit tes armes, soit... Une flûte, un truc comme ça. J'ai essayé avec une miche de pain, en fait. Je vais passer une miche de pain pour essayer, parce que ça prend la... Ouais. L'empreinte de la serrure. J'ai ma chemise, mais c'est mou. Mais c'est... Je cherchais avec quoi il crochetait qui était mou. C'est bon. Alors, qu'est-ce que t'as cassé? Je sais pas, les perruillés. D'accord, je l'accorde. L'épée que je t'ai offerte, c'est mon épée rouillée. Allez, elle est partie. Alors que faites-vous devant cette porte qui a l'air terrible, une terrible porte? Est-ce que vous lui balancez des bouts de pain ou comment ça marche? On s'y met à tous. Allons-y, gaiement. Vous n'y arrivez pas, Céden. J'essaye de rentrer dedans toute notre force avec mon épaule. Hein. On verra bien si ça marche. Et calmez-vous. Oh. Je l'aide hein, à pousser. Hein. Elle me pousse, moi. Un bonus de 10 avec... On prend Rebecca comme bélier. Pourquoi on prendrait pas toi? Allez, c'est bon. Voilà, vous voyez, c'est facile quand même. Vous ouvrez enfin la porte. Hein, tiens, pire ennemi, mal à l'épaule, tu sais. Le pire ennemi des aventuriers, bien sûr. Et vous découvrez un intérieur recouvert de poussière, des livres tombant en miettes... Et au dernier étage, une vue sur l'Arbre-Cœur, plus loin au sud, et le corps sans vie d'un homme arbre fraîchement brûlé. Un homme arbre? Oui, un homme arbre. Fraîchement brûlé. Oui. Et vous vous dites que... C'est que ça, elle a cramé l'homme arbre. Elle a cru cette ça. Ouais, mais... Je dis, Rebecca, quand on te dit qu'elle est... Et à côté de cet homme arbre brûlé, il y a un bâton. Là, je vais regarder les livres, moi, plus. Les livres, à chaque fois que t'en prends un, ils tombent vraiment en poussière, en fait. Il n'y en a aucun qui est lisible. Et le bâton, ça a l'air d'être un bâton ou plutôt un... On va me faire une connaissance un bâton secrets. De mage ou... Si Kairi c'était là. Elle aurait chopé le bâton direct. Tu n'en sais absolument rien. Mais alors... toi, la magie... Tu peux en regarder? Oui. Toi, la magie, à la base, c'est pas ton truc, mais alors là... aucune idée. Oh. Pareil. Moi non plus. Ça a l'air... ça a pas l'air d'être un bâton ordinaire, mais tu saurais pas dire pourquoi. Seiden, elle a lu un bouquin là-dessus. Seiden, toi, tu regardes les deux autres avec un air amusé. Tant Rebecca est censée être quelqu'un de très instruite, mais bon. Je lui dis, mais oui, je connais, j'ai déjà vu quelqu'un s'en servir dans un de mes nombreux voyages. C'est un bâton de mage qui est capable de stocker deux cartes. Et en fait, ça fait que celui qui l'utilise, ça, c'est bien, ça. Il connaît ses deux premières cartes. On peut sortir deux cartes et... Et stocker dedans, et tu sais lesquelles sont dedans. Donc par exemple, si moi je le prends,
Je récupère deux cartes dont je connais les numéros. Non, quelqu'un qui a des cartes peut stocker ses propres cartes. Mais après, c'est... Ah, d'accord. Après, il peut le donner à quelqu'un et l'autre peut s'en servir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pourrais le prendre et sortir mes deux premières cartes et les stocker dedans, quoi. Oui. Mais il n'y a pas de cartes dedans, déjà? Non. Oui, malheureusement. Tu peux essayer de stocker tes cartes magiques à l'intérieur et voir si peut-être il y en a une qui pourrait nous être utile pour les spectres. Donc en fait, en gros, si tu prends ce bâton, hein, ça fait que tu sors deux cartes que tu stockes là-dedans. Quand tu veux faire quelque chose, soit tu utilises une de ces deux cartes, soit tu peux toujours en... Soit je piocher la troisième. Voilà. Bah, de toute façon, je suis le seul à avoir des cartes, du moins des cartes dont on ne sait pas la couleur. Donc, si tu veux mettre des cartes dedans, il faut que tu me jettes d'abord un dé. 1, 2, 3, 4. Combien il t'en restait? Je sais plus moi. Attends, c'était dans compétences. 23. Ouais, parce que moi j'en avais 24 quand j'avais Kairis. Oh, moi j'en ai grillé. T'en as grillé 4. Je te lance un D23, quoi. Ouais. 21. Deux fois, en fait. Oui. Mais non, il y a un D22. Alors, la première carte que tu peux stocker est un roi de cœur. Oh. Pas mal. Et je te lance un D20... Je te lance un D22. Ouais. 20. La deuxième... J'ai fait plus des gros. Un 8 de trèfle. Ah, ça, c'est plus utile. Ah, 8 de trèfle. Moins top. C'est moins puissant, mais... c'est trèfle, mais c'est pas tiens. Alors, faire s'écouler un mur carreau, éloigner une boule de feu sur... de son ad... éloigner une boule de feu sur un adversaire. C'est trèfle. Faire lever un vent capable de pousser un navire. Ah oui. Et cœur, c'est aider à s'endormir... Et le... cœur, c'est manipuler les esprits. Devenir invisible au sein de la population. Ouais. Roi de cœur, c'est très très puissant. Fallait, c'était... Un pic, en fait, ce qu'il fallait. Moi, j'ai un as de pique, je crois. Au calme. T'en as gardé une carte, toi? Ah oui. C'était un as de pique, tu vois. Ouais. Ouais. Et puis d'ailleurs, j'ai une carte... j'ai encore les affaires de Laura. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais les cartes, je crois que ça se J'ai donne un pas. Joker. C'est l'objet que j'ai vu la dernière fois. Si. Non, bah elle a plus son Joker. Elle a plus. Eh bah oui, Laura l'avait utilisé. Ah non, elle a utilisé au Paimon. Mais tu l'avais pas enlevé de ta fiche, alors. Est-ce que avec un as de pique, elle peut faire ce que fait les dames et les rois de pique? Avec un as de pique, elle est hyper puissante. Oui, donc si elle veut, par exemple, convoquer un esprit gardien puissant pour guider et protéger, c'est bon. Alors, si tu veux un as de pique, la dernière fois que vous en avez utilisé un, vous avez levé une armée des morts que vous contrôliez. Donc là, si c'est des spectres, c'est vraiment, un peu puissant, elle peut quoi. Contrôler tous les spectres de la région. Après, ça va dépendre, je pense. L'as de pique, faut que tu l'utilises, Saiden. Vraiment, si c'est beaucoup de spectres. Maintenant, je prends des pincettes sur ce que dit que ça. Elle hein. A cramé sans doute le seul être qui aurait pu nous aider et qui devait être un genre de gardien des lieux. Normalement, tu dois avoir reçu les cartes. Je les ai. Donc, que faites-vous? Il n'y a rien d'autre dans la pièce? Non. Et sur le corps non plus? Non, c'est un corps brûlé en fait. C'est un corps. En fait, on dirait vraiment du bois. On dirait un arbre brûlé en fait. Ouais. Bon, je pense qu'on a plus qu'une chose, une seule chose à faire. Partez vers l'arbre K?
Donc vous moi, redescendez. D'où on est, on voit rien. Tu vois pas le pied, en fait. Il y a trop la canopée est trop épaisse pour que tu puisses voir ce qui se passe au pied de l'arbre. Ouais, mais justement, on voit rien de particulier de ce lieu d'observation, quoi. Qui pourrait, enfin, je ne sais pas. Non, non, vraiment, t'es en hauteur, t'es au-dessus de la canopée. Donc, tu vois, en fait, tu vois, comme je t'ai dit, cet immense arbre, vraiment plus grand que la cité de Kniga. Vous aviez jamais vu ça, n'importe lequel d'entre vous, c'est vraiment un truc énorme. Domine ça paraît à quelle forêt. Distance Oh, encore peut-être une demi-heure de marche. Et de là où vous êtes, vous pouvez pas vraiment le louper. Ok. Allons-y. Peut-être qu'on trouvera des plantes intéressantes en forêt, mon cher Heisenberg. Il me semble que j'en ai déjà trouvé dans cette forêt, mais... Oui. Mais je suis toujours attentif, ma chère Disney, ne vous inquiétez pas. Ce sera et bien, avec un énorme arbre brûlé, vous pouvez pas faire une potion. J'ai déjà de la peine pour cette plante. Les végétaux sont en vie aussi. Ils souffrent lorsqu'on arrache les feuilles. Donc, vous redescendez et vous continuez votre chemin. Et, au bout d'une demi-heure, la jungle s'ouvre sur une vallée verdoyante où le vent couche l'herbe par vagues. Au milieu de la vallée se dresse un arbre gigantesque, plus grand et plus haut que la cité de Kniga. Des nuages s'accrochent dans les branches supérieures et son tronc est large comme une ville entière. Des créatures spectrales, semblables à des panotties, marchent lentement vers l'arbre. Entre ses racines, ses fantômes poussent une jeune femme très belle, mais très effrayée, vers cette entrée. Que faites-vous ? Il faut stopper les spectres, là, vite. Pourquoi ? Mais si on l'arrête et qu'on trouve pas de remplaçante, attention, la nature va dépérir pendant 500 ans quand même. C'est pas rien. C'est vrai que c'est long quand même. 500 ans d'automne, ça fait aussi qu'il n'y a pas de printemps. Ouais. Y a rien à manger. Les cultures, ça va pas. Parce que les champignons, c'est bien, mais. Puis en. Connaissant que ça, nous a sûrement un peu menti, vous voyez, c'est l'automne, mais plutôt la fin de l'automne. Oui, il y a vraiment plus de feuilles de gerbes. J'ai essayé de m'approcher pour voir. Moi, ce que je tire une carte. Je me dis, j'espère un pic. J'aimerais communiquer en fait avec les esprits. Oui. C'est un espoir. Hein. J'ai une chance sur. Du coup, t'étais à 21. 21. T'as qu'un pic sur toutes tes cartes ? Non, je sais pas. Il sait pas combien il y en a. 20. Tu fais que. Ah, t'as déjà fait. Non, c'est sur 21. C'est ça ou sur ça ? Tire 2 de trèfle. Avec ça, je crois que tu peux faire une petite brise. Je fais. Allume une bougie. je fais une petite brise pour peut-être. Attirer les spectres, hein, pour leur dire qu'on est là. Et de toute façon, pendant ce temps-là, Rebecca s'avançait vers les spectres, bien sûr, qui se retourne l'air courroucé. Donc vous voyez, que les spectres qui s'avancent vers Rebecca, ils sont un peu, tu sais, tu les vois faire un petit écart, c'est ta brise qui les a... Mais bon, c'était pas très puissant, donc... Et par contre, Rebecca, ils s'avancent vers toi. Ils ont pas l'air de vouloir discuter. Que fais-tu ? S'ils s'avancent en colère vers moi, je recule. Ok. Quand tu te recules à une distance raisonnable, ils ne te suivent pas. Par contre, ils te surveillent. Que faites-vous ? Ça parle pas, ce genre de spectre, hein. J'en sais rien, essayez. Moi, j'en sais rien, mais moi, je leur fais clair. Là-bas. J'essaie d'appeler la jeune fille. Et tu vois que la jeune fille, quand tu cries, elle se retourne vers vous. Elle a des yeux implorants. Et elle hurle. Aidez-moi, je vous en supplie.
Bah ouais, mais bon. Elle est pas très consentante, la jeune fille, quand même, hein. Bah, te faire sacrifier, oui. C'est rare, quand même. Oui, mais dans ce monolithe, vous avez pas eu d'autres informations? Il n'y avait rien d'autre? Elle commence à s'approcher de plus en plus des racines de l'arbre. Si vous n'avez pas pris de décision dans... Je tire une autre carte. Juste par curiosité, je vais demander à Gogolom pour savoir. Je peux essayer de jouer de la musique pour attirer l'attention de tout le monde. Mais ils ont des oreilles spectrales. Est-ce que les spectres apprécient la même musique que nous? Tiens, un as de cœur. C'est super puissant, ça fait chier, je peux rien faire avec. Quoique, j'en sais rien. Tu peux faire qu'elle soit super heureuse d'aller dans l'arbre. Tu veux rendre son sacrifice plus doux. Bah, manipuler totalement l'esprit d'un roi, mais... Des spectres ont peut-être un... Fais-la revenir. Non, mais fais-la revenir, elle. C'est quelqu'un de vivant. Pour interagir, c'est oui, c'est des êtres vivants. Pour interagir avec des spectres, il te faut du pic. Oui, bah fais un cœur sur elle et tu la fais revenir. Alors, petit tips, si tu ne veux pas, la balancer, tu peux balancer une des autres cartes et mettre celle-là dans ton bâton. Eh oui, c'est ça. Je me disais que ça pourrait être pas mal. Ah, ça, je savais pas. Bah, clairement, oui, je blazarde le 8 de trèfle. Ok. Donc, tu n'utilises pas cette as de cœur? Ben non, parce que je sais pas... Bah tu pourrais essayer de la ramener. Pourrait contrer les spectres, en fait. Je peux tenter de la ramener, mais les spectres, ils vont pas être trop contents. En fait, tu vas la convaincre de revenir, mais les spectres, ils vont pas la laisser faire, donc... Ben, surtout qu'elle a déjà l'air d'avoir envie de revenir. je tourne mes yeux un peu éberlués vers Satan, parce que je sais pas... Mais alors, nous, on veut vraiment sauver la princesse. Moi, j'aimerais savoir s'il y a une autre solution, en fait. Mais je pense que les seuls qui ont une réponse, c'est les spectres. Du coup, vous voulez que je lance l'as de pique? Dans tous les cas, si tu prends contrôle, on pourra choisir, en fait. Je pense. Oui, on aura le choix, ouais. On pourra leur parler, on pourra éviter, soit décider qu'elle y va, soit voilà. Ok, donc il faut utiliser l'as de pique pour obtenir des informations et qu'il s'arrête, c'est ça? Prends le contrôle des spectres, en fait. Tu peux faire ce que tu veux sur ces genres d'esprits. Hein. Je te dis, moi j'ai déjà utilisé un as de pique. Si t'en prends le contrôle, là, si tu dis que tu prends le contrôle des spectres, tu pourras tout faire avec eux. C'est vrai, ça? Oui. Ah oui. Ok, avec un as de pique, contrôle des spectres, alors. Ah, et puis... Tu prends le contrôle des spectres, hein. Moi, je manipule à tous les morts du monde, hein, sur... Tu peux leur donner des ordres. En fait, tu vois que du coup, ils s'arrêtent. Oui. Je veux juste discuter avec le chef des fantômes. Ok, donc t'as un spectre, Panotti, qui arrive vers toi. La voie est close, c'est ça? Bonjour monsieur. Pourquoi? Y a pas d'autre solution? Il n'y a pas d'autre solution. Tous les 500 ans, la princesse des Panotti est livrée à l'arbre-cœur pour le régénérer. Et ce, depuis la nuit des temps. Mais apparemment, les Panotti de cette époque ont oublié leur tradition. C'est pourquoi cette princesse a l'air réticente. D'accord. C'est la mine, en fait. Est-ce qu'on pourrait lui parler... Enfin, oui. On va lui parler à elle? Bah là, c'est Seiden qui contrôle, donc c'est... Bon, faut lui expliquer à la princesse que... Après... Elle comprend peut-être pas. Bah, elle est là, non? De toute façon, elle est revenue, elle a pu revenir, elle est sous le contrôle des spectres, non? Elle s'est arrêtée, mais à quelques mètres des racines. Là où Seiden a arrêté les spectres.
Je pense qu'il faudrait peut-être lui... Déjà essayer de lui expliquer. C'est pas sûr. Bon, pas facile de lui dire, vous devez être sacrifié, mais... Enfin, je sais pas, c'est une panotie. Elle a peut-être quand même des... dans sa culture. Hein, si... ah. Enfin, on lui explique... Saïden libère-la des spectres. On lui explique. Vous permettez, monsieur le fantôme, que nous parlions quelques minutes avec la princesse, s'il vous plaît? De toute façon, enfin, tu les... Juste discuter. Pas le choix. En vrai, tu les contrôles. Donc, il te dit non, mais il le fait. Avoir le contrôle, ça veut pas dire être impoli. Elle est sacrifiée ou elle fusionne avec l'arbre, Saïden? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment ça se passe alors exactement, ce sacrifice? Est-ce que elle meurt dans d'atroces souffrances, ou est-ce que ça va, elle va faire un avec l'entité? Est-ce qu'elle devient une femme arbre? Elle ne devient pas une femme arbre, mais effectivement, elle fusionne avec l'arbre. Tout se fait sans douleur. C'est sans douleur. Ok. Bon, bah, libère-la, on va lui expliquer, hein. Écoute, hein, pas trop le choix. Que fais-tu, Saïden? C'est toi qui as le contrôle. Je demande à toi. Mais ça dure pas 10 ans, le contrôle. C'est un as, mais... Ok. Moment, non, mais je... C'est un as. Je veux pas la libérer. Je veux juste qu'on puisse discuter un peu avec elle, mais je veux pas vraiment la libérer, je crois. Ah, c'est la ramener, alors. Donc, bah, les deux... On peut aller la voir, nous. Je saute. Et s'il faut vraiment... J'ai au moins 2 cartes pour qu'elle soit totalement volontaire de se suicider dans l'arbre. Donc, vous allez vers la princesse qui est mais vraiment là, elle est à quelques mètres des racines, hein, ces racines ouvertes qui l'attendent. Elle dit « Ah, vous allez me sauver. Merci, vraiment. Merci. » Écoutez, vous comprenez pourquoi vous êtes là, au moins ? Ben non, je comprends pas. Moi, j'étais tranquillement à la concession et je me suis fait enlever par ces choses. La tradition chez les Panotti, sûrement vous l'avez oublié, c'est que tous les 500 ans, une jeune prêtresse doit donner son corps à l'arbre que vous avez devant vous, là-bas, pour que toutes les forêts du monde reprennent vie. Si vous ne faites pas ça, toutes les forêts mourront. Ben oui, mais là, c'est moi qui vais mourir. Tous les sans douleur. Non, non. Vous n'allez pas mourir, vous allez fusionner avec l'arbre. Ben, je pourrais ressortir. Vous allez devenir un peu cette entité, Vous deviendrez un esprit de l'arbre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je veux vivre ma vie, je suis jeune. Si ça a l'air si simple, vous, mademoiselle, prenez ma place. Je ne peux pas, je ne suis pas prêtresse. Comment ça, vous ne pouvez pas ? Vous en êtes sûre ? Prêtresse Panotti. Oui, je ne suis pas prêtresse. C'est une prêtresse Panotti qu'il faut. Les spectres vous ont dit que c'était obligé d'être une princesse ? Oui. Ah non, ils ont dit que c'était une princesse tous les 500 ans. Parce que c'était... Non, une prêtresse... Une prêtresse Panotti. Une princesse Panotti. Il faut que fasse partie du peuple. Eh bien, moi, je pense... C'est une vie qui... Moi, je pense que vous pourriez très bien le faire à ma place, donc allez-y. Vous demandez au spectre. Alors, déjà, être agressive, ça ne vous aidera pas. Sachez-le, parce que... Je suis agressive, je vais mourir. Vous n'êtes pas là pour m'aider. Vous avez arrêté les spectres, mais vous continuez, bon, écoutez, je continue à être prisonnière et vous voulez que je meure. Si vous trouvez ça aussi facile, pourquoi prenez ma place? Soit vous acceptez votre sort maintenant et vous mourrez sans douleur, soit c'est moi qui vous égorge ici maintenant et on n'en parle plus. De toute façon, vous allez mourir, alors faites-le bien, comme ça on y va, c'est bon. Pourquoi vous connaîtriez quelqu'un qui voudrait bien ça? Qui voudrait bien vous remplacer? Bah, si vous connaissez quelqu'un, on va le chercher. Non, mais je connais personne qui voudrait me remplacer, mais excusez-moi, j'ai pas envie de mourir. J'ai quand même le droit de plaider ma cause. Mais puisqu'apparemment vous êtes une bande d'assassins, laissez-moi tranquille.
Laissez-moi bon, bah, en main passer mes derniers instants sans je avoir... Je me sacrifie. À votre place. Je suis pas princesse. Je sais pas. D'accord. 19, tu veux ça Non, je suis pas d'accord, moi. J'ai comme le sentiment, 19, que je sais exactement ce que ça fait que de te perdre et je suis pas hyper... Ça m'en joue pas beaucoup. Bah ouais, mais... Enfin, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler? Ouais, je la comprends, enfin, on est en train de lui dire de se suicider. On la comprend tous, mais elle est désagréable quand même, je trouve. C'est pas un suicide, c'est un honneur. Ouais, bah, un honneur, bah... Sauf que... Enfin, voilà, comme elle dit, si tu es honoré, vas-y, quoi. C'est... Demande au spectre si une autre personne pourrait y aller, à part elle. Un cousin au répilant, par exemple. Oui, par exemple, tu vois. Faut donner une vie. Il faut absolument que ce soit une femme ou... Je sais pas, tu vois. Je pose des questions. Est-ce que la princesse que voici peut être remplacée par un cousin horripilant? Par un cousin horripilant, je ne sais pas, mais il faut que ça soit quelqu'un de haute lignée. Bah, il est de haute lignée, hein. Mais de Knika. Bah, ça marche encore. Pour moi aussi, du coup. Super. Mais pourquoi on n'irait pas prendre ton cousin, vraiment? On le jette là-dedans et c'est terminé. Alors, comme je vous ai dit, les spectres, la manipulation est bientôt finie. Si vous partez d'ici, ils vont pas vous laisser le temps d'aller chercher un cousin, de revenir, etc. L'arbre cœur doit être régénéré maintenant. On peut libérer la meuf et aller chercher le cousin d'Heisenberg. Que faites-vous? Non, ils ne laisseront pas le temps, il a dit. Du coup, quelles sont nos différentes options? Soit il y a quelqu'un qui d'entre nous qui va à sa place, soit elle y va elle. Moi, je ne compte pas y aller. Je ne compte pas finir ma vie dans un arbre. On peut peut-être lui donner un peu de doom. Bonne idée. Que faites-vous? Les spectres vont bientôt reprendre le contrôle d'eux-mêmes. C'est de la convaincre. Ouais, je vais pouvoir leur donner la fille. Devant ce silence assourdissant, Seiden, tu sens ton contrôle qui s'évanouit. Ouais, c'est terrible. Les spectres. C'est les terrible, spectres. J'utilise le roi de cœur. Et puis, en fait, je la convainc. Ok. C'est pour le bien de l'humanité. Voilà. Les spectres l'amènent. Elle ne se débat plus. Elle a l'air même heureuse. C'est encore pire. Les racines de l'arbre s'écartent pour la laisser entrer. Ça, c'est vraiment horrible. Elle vous jette un dernier regard, mais elle a l'air vraiment contente. Hein. Tout va bien pour elle. Et vous voyez l'arbre se refermer derrière elle. Et vous sentez une puissance renouvelée émaner de cette... énorme et vénérable arbre. Vous. Ouais. vous augmentez tous vos points de vie maximum d'un. Vous gagnez tous un point de vie max. Et pour votre cruauté légendaire, vous gagnez tous la compétence spéciale résurrection. Oh! Attends, c'est quoi ça? La compétence spéciale Résurrection ne fonctionne qu'une seule fois tous les 500 ans et vous permet d'apposer une marque sur un unique individu dans lequel vous ressusciterez si un jour vous mourrez. Ou la Baturana. C'est un être vivant, forcément. Au mieux, enfin, moi, tu veux te. C'est là. Bah, non, mais c'est vraiment la question. Tu es un unique individu. Ouais, parce que moi, j'ai un gros truc en ferraille, en fait. C'est un peut un se réincarner en chat. Un individu. Ah, oui. Dans une X-Men. Tous les 500 ans, ça veut dire qu'on est immortel. Non. Tu peux l'utiliser qu'une fois, donc.
va dire que tu vas pas mourir. Quand tu meurs, tu vas te réincarner dans l'individu. Mais si tu mets ta marque sur quelqu'un qui meurt avant toi, bah tant pis. C'est cramé. Ah. Merde. Du coup, on l'a rajouté comme ça. On tue l'autre individu à notre place, en fait. Quelque part. C'est ça. Oui, donc bon. Ok. Et on gagne 5 points dans toutes nos caracs, c'est ça? Non. Ah bon. Ça, c'est quand je meurs. Bon, bah super, hein. On retourne voir les panotiers et puis on leur explique. Bah, il va falloir l'expliquer à ces pauvres gens. Ce groupe qui va prendre la nouvelle très mal. On n'est pas obligé de tout faire. Mais non, mais on dit la vérité. Elle y est allée de son plein gré pour sauver les forêts. Oui. Donc vous retournez à la... Accepté. À la concession 13. Les panotis, le chef des panotis, en tout cas, les panotis vous entourent pour savoir qui s'est passé. Celui qui explique va me faire un jet de mentir-convaincre à moins 10 pour voir s'ils accepteront ce sort ou pas. Eh bien, effectivement, les panotis comprennent ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y en a un qui se souvient d'une légende et sont tristes. Mais ils sont quand même... ils comprennent que ça devait être fait. Mes condoléances. Et du coup, ils se remettent au travail. Bon, je voudrais arrêter cet esclavage. Hein. Je sais pas pour vous, mais... Ah oui, on va y aller, ouais, on va aller expliquer, ouais. Je suis d'accord avec toi, Rebecca. À fond. Ok, il n'y a pas de souci. Les panotis, ils devraient être dans la forêt, là. À protéger l'arbre. Ils ont assez souffert, en fait. Je pense. Vous retrouvez ce cher Filou, qui est toujours là. 19 joue avec ses cartes. J'essayais d'enlever celle que j'ai utilisée. Ok. Oui, alors vous allez retrouver le cousin Filou toujours dans son palais, entouré de ses servants et ses servantes, en train de se la couler douce, pendant que dehors ça travaille dur. Que faites-vous ? Ce que j'aimerais savoir, c'est que par rapport aux lois de Knika, l'esclavage il est où ? Ça se passe pas du tout comme ça d'habitude. Hein. Alors si. Alors, Ça a toujours été les panotis qui minent dans les mines. Sauf que d'habitude, oui, ils le font... C'était traité comme ça. Non. Après, là, en fait, les panotis, souvenez-vous, ils voulaient plus travailler parce que justement, ils étaient tristes, ils étaient inquiets pour leur princesse. Maintenant, ils sont repartis au travail, en tout cas. Oui, mais il faut qu'il les paye. Au début, c'était une sorte de salariat, si je me rappelle bien de nos discussions. Puis après, il a transformé ça en esclavage. Esclavagisme. Oui, c'est ça. Salariat. On peut pas dire qu'ils étaient payés, mais au moins, ils étaient nourris, logés, etc. Ils étaient pas maltraités, en tout cas. Ils travaillaient d'or plein gré ou pas? Ouais. Dur à définir. C'est ça. Est-ce que tu travailles de ton plein gré, toi ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'ils font ça pour manger et dormir correctement, ou... Ils en auront pas besoin, en fait, dans la forêt, tu vois. C'est ça que je veux dire. En tout cas, il y a personne... Enfin, je veux dire, ils étaient pas... Récemment, ils prenaient des coups de fouet, etc. Mais jusqu'à maintenant, ils travaillaient sans coups de fouet. Donc, bon, je suppose que... C'est pas foncièrement en désaccord. Même si peut-être qu'ils préféraient faire autre chose, j'en sais rien. Ils n'étaient pas plus malmenés que ceux qui sont dans les quartiers des... Comment ça s'appelle ? Non. Après, dans ils sont difficiles dans à les comprendre. Bas-fonds de Knika, quoi. C'est vraiment un autre peuple avec une autre mentalité. Ils sont difficiles pour vous à comprendre. Bon, mais à la rigueur, s'ils sont pas maltraités ni rien, c'est déjà plus acceptable, non ? Qu'en pensez-vous ? De toute façon, à Knika, Tout est à refaire à ce niveau-là. Hein. Oui, mais on a déjà voté la proposition, là, donc ça va changer.
Ben, la vraie solution, oui. Là, il mine des cristaux, on est bien d'accord. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'esclavage et est-ce que ce qu'il fait là, c'est autorisé à Knika? Ah bah, toutes les mines, bah, c'est un noble. Fonctionnent comme ça. C'est un noble en plus. Pas en esclavageant, c'est ce que je veux dire. C'est que, est-ce qu'il y a un minimum de loi sur le traitement des travailleurs? Ben non, c'est à Aria. À Aria, c'est interdit, mais on n'est pas à Aria. La façon de traiter les travailleurs sauvages n'intéresse pas vraiment les autorités de Kniga. Ouais, ils s'en foutent. Ben, encore une fois, c'est un noble, hein, donc il peut faire ce qu'il veut en fait. Enfin. Ouais, mais nous on est au-dessus de lui maintenant. C'est vrai. Donc on a un peu autorité sur lui. Non, mais de toute façon, il va botter le cul, puis c'est tout. Ça va être lui, mais t'empêche pas que ça se passe pareil dans les autres mines. Ça, c'est plus la proposition qu'on a votée. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez. Ben, là. Heisenberg, en tant que compte, etc., tu peux changer comment fonctionne la mine de ta famille. Après, vous n'avez pas l'autorité sur le reste, oui, des mines, sûr, de la Kniga. Mm. C'est ça, ça prendra du temps. En fait, la réelle solution, ce serait qu'il n'y ait plus besoin de cristaux. Peut-être d'avoir un nouveau roi des rois qui pourrait... Ou un nouveau roi des rois. Quand on aura résolu ça. Ou une nouvelle reine des reines. Anna. Pas Anna. Bon, pour l'instant, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il soit bien traité. Ah bah, cela, il suffit que Heisenberg secoue son cousin. Hein. Ouais, bah donc, Filou est là. Hein, si vous voulez lui dire quelque chose, allez-y. Hein. Filou. Oui. Bon, Heisenberg. Cher Filou. Alors, t'es allé faire un tour dans la forêt, t'as compris pourquoi ils voulaient pas travailler, là? C'est... sauvage. Arrêtez de les appeler comme ça va mal se terminer. Non, mais j'ai un truc à t'expliquer. Il faut que t'arrêtes de les faire fouetter. Ils vont retravailler, on a réglé le problème. Par contre, s'il y a un problème, tu peux envoyer un message à Kniga, on va le régler sans que tu les fouettes. C'était pas normal, ça, de fouetter des êtres vivants, tu vois. Essaye de régler le problème différemment. Et s'ils s'arrêtent de travailler, je fais comment? T'envoies un message, on vient de te dire. Oui, mais pendant ce temps-là. Le temps que tu travailles à leur place, ça te fait les pieds. Ah, il y aura un retard. Ah oui, mais hey, tu sais très bien que les retards, la famille... Bon, moi, je lui envoie... Je lui mets un coup de... Je m'approche de lui, je mets un coup de genou dans les burnes. Ok, ok. Ah, tu vois, c'est... Discrètement. Ah, bah voilà. Bah, discrètement, il a pas senti... Pas... Non, mais... À fond, le coup de genou, je veux dire, je suis discret, évidemment. Après, je suis moins discret, on est d'accord. Ok, ok, c'est pas du tout... Il s'y attendait pas du tout, je te fais même pas 2G, donc... Il dit, ok, ok, cousin, si tu le prends comme ça, d'accord, je ne les ferai plus fouetter. S'il y a un problème, j'envoie un message et j'attends qu'on m'envoie quelqu'un. Bien sûr. Merci, Philou. D'accord, et... ça marche. Qu'il soit bien traité, logé et nourri correctement. On les a toujours nourris correctement, madame. Logé aussi. Oui. Qu'ils puissent avoir une vie en dehors de la mine. C'est ça que je voudrais savoir. C'est-à-dire, oui, mais ils font leurs heures de travail. Après, c'est pas moi qui dis ce qu'ils doivent faire de leur vie. C'est beaucoup mieux. Bon, j'aimerais bien aller voir la chef des panoutis. Oui, mais tu vas la trouver. Du coup, je lui explique la situation. Je dis que ça, les coups de fouet vont cesser immédiatement, qu'ils ne seront plus jamais fouettés ou maltraités, et qu'ils seront logés et nourris correctement, et que si jamais il y a un souci ou si il y a un problème au niveau du travail, tout ça, comme ce qui s'est passé, à ce moment-là, leur chef, là, les filous, là, il nous enverra un message et on viendra vous aider encore une fois. Dans son langage... Panoutis, c'est-à-dire avec des gestes et tout ça, tu vois qu'elle te remercie. C'est que de lui dire de rien, mais... Ok. Que faites-vous? Je tire une carte pour la mettre dans mon bateau. Vas-y. Tu l'as fait déjà, c'est ça? Je veux un joker. Ouais, 16. Joker.
Bah, je suis pas sûr d'en avoir un, en fait. Putain, mais t'es... 19, elle est revenue, elle est en cœur, quoi. C'est du love, quoi. C'est la puissance du love. C'est l'amour. Donc, provoquer la peur. Petit. Bah, c'est pareil. Ça faire. Provoquer la peur. Ah non, je te l'ai pas donné. Faut que tu te la notes quelque part, parce que trop tard. J'ai supprimé. Ah, 10 de cœur. Ouais, je vais la noter dans mon inventaire. Ok, on retourne au bateau. Enfin, je sais pas ce que vous voulez faire, mais... Si on pouvait s'en aller... Bateau. Que Knika... Bah non, moi j'aimerais éliminer deux tout le bas, quand même. Parce que c'est un peu un problème. Et on a un aigle en fer à agrandir aussi, 19. Ouais. Alors... Pour aller à l'autre bout derrière, en rien de temps, après. On va refaire le voyage inverse en accéléré, on va faire une petite ellipse. Vous revenez à Kniga avec un chargement de avec un chargement de cristaux. Pour rappel à Kniga, rappel de rien en fait. Vous avez un peu tout, vous avez un peu fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Effectivement, il vous reste un aigle en fer à réparer, ce qui pourrait vous permettre de repartir d'ici en moins d'un jour. Hein, au lieu de... Parce que le bateau, il est ici, oui, mais vous savez toujours pas comment retraverser le tropique des spectres. Ah oui, c'est vrai. Et effectivement, il y a deux toulpas qui se baladent dans Kniga. Sachant qu'il y en a un, c'est le conseiller du Petit Prince, et le deuxième, c'est le chef de la guilde des assassins qui sert le prince en place. Que faites-vous ? Est-ce que lors du chemin, même, moi je m'adresse à Rebecca, quelque chose d'autre qui n'a pas été fait, si je me trompe. Tiens, Rebecca. Oui, dis-moi. J'ai cru comprendre que c'était pas dans tes priorités, malgré tes talents dans ce domaine. Mais l'ambassadrice, Daria. Non, effectivement, c'est pas ma priorité. Sauf que, réfléchis bien, avoir une ambassadrice dans sa manche, au moment où on retournera à Aria, parce qu'on va retourner à Aria, ça, c'est chose utile. Ce qui me plaît pas, c'est qu'elle soit ambassadrice d'Aria, justement. Ben, justement, c'est ça l'intérêt d'avoir dans sa manche une ambassadrice Daria. Autrement, le fait que je l'ai exculpée, ça changera rien pour elle. Enfin, elle sera pas exécutée, mais ce que je veux dire, c'est que elle ne me devra rien. Enfin, elle n'est pas obligée de me devoir quelque chose, c'est ça que je veux dire. C'est que... Ah non, bien sûr, mais elle pourrait être redevable. Ça en est dans les gens qu'ils deviennent redevables. Ouais, tu sais, dans les ambassadeurs, souvent les coups bas. Oui, bon. C'est au moins, on aura tenté. Après, si elle nous doit rien, elle nous doit rien. Ça nous fait une belle jambe. Oui, bah justement, le fait de l'exculper, ça va arranger Aria. Et moi, ça me plaît pas. Bah, ils verront une autre ambassadrice ou un autre ambassadeur. Ça changera strictement rien. De ce côté-là. Oui, mais le fait qu'ils en perdent une, c'est déjà bien. Ah bon? Oui, puisque je ne supporte pas la reine d'Aria. Mais on parle pas de la reine d'Aria. On parle de cette ambassadrice. Elle est à son service, c'est ça que je veux dire. Donc tu ne voudrais pas essayer d'avoir au moins l'opportunité d'avoir quelqu'un dans ta manche, quoi. Quelqu'un qui pourrait éventuellement t'aider, quoi. Alors, il y a peut-être ambassadrice d'avant, non? Impossible. Je ne sais pas, puisque... Il y a peut-être une information qui va vous aider. Hein. Vous arrivez à Kniga et vous entendez la rumeur. Le procès de l'ambassadrice d'Aria s'est déroulé. Et donc l'ambassadrice Julia Gambardine a été condamnée à la prison à la perpétuité tant que Aria n'aura pas réglé sa dette. Ah, c'est une question de dette, alors. D'accord.
Pour être tout à fait précis, voilà, ça va être un AVK, voilà ce qui s'est passé. Le procès de Zulia. Ah oui, c'est vrai que c'est elle. En plus, ça vient du village où on doit aller. C'est Zulia ? Oh, elle était pénible, elle. C'est Zulia, du manoir en feu. C'est Zulia qui était ambassadrice. Mais elle est gentille, Zulia. Zulia, elle est bête comme ses pieds. Elle est bête. Mais, c'est une pauvre. Elle croyait que Heisenberg était hors d'eau et qui, apparemment, rien qu'en disant je suis hors d'eau, ça pouvait faire peur à tous les bandits de la région. Bon, ça n'a pas été trop ça. J'ai fait peur aux bandits. Hein. Bah, tu les as brûlés vifs. Ça fait peur. Ils ont eu peur à un moment donné, forcément. Ben, ils avaient pu... Oui. Mais Zulia, elle est super gentille. Mais Zulia, il faut qu'on la libère, Zulia. Quand tu l'as libérée, elle est emprisonnée, c'est trop tard. On connaît le prince, maintenant, c'est notre pote. Ouais, je pense pas qu'il la laissera partir. Hein. Donc, qu'allez-vous faire dans la suite de vos aventures à Kniga ? On le saura après la petite pause.